à une modernisation effective de fonds engagés. Par contre, dans le deuxième cas, le rôle joué par ces entités serait très différent, c'est-à-dire un rôle purement métaphorique. Mais dans tout cas, ce que je connais de ces traitements ne me permet pas de donner avec clarté une réponse définitive. Et d'ailleurs, même si l'on pourrait dire que le statut de ces entités n'est pas ni de l'ordre de la métaphore, ni de l'ordre du modèle, mais plutôt de l'ordre du diagramme, au sens de graphe ou bien de scénographie qui permet d'accéder à certains aspects du phénomène langagier examiné, je préfère de n'introduire pas cette dernière notion, puisqu'elle nécessiterait de beaucoup d'autres spécifications qu'au moment je ne réussis pas à maîtriser. Et donc, à cet égard, je préfère nouvellement me taire. Quant à la deuxième question, celle relative au degré de nouveauté du conseil linguistique dont je viens de parler, je dirais que ce degré, c'est presque nul. Et c'est presque nul puisqu'il s'agit des conseils qui sont désormais acquis dans les domaines de recherche sémiolinguistique, comme dans le cas par exemple du conseil des compositionnalités gestaltistes, qui est devenu une notion basilaire dans beaucoup des programmes de recherche en pragmatique linguistique. Et ça vaut aussi pour la concession parsiologique des unités lexicales. De ce point de vue alors, l'intention qui nous a amené à examiner ces conseils a été une raison, comment dirais-je, archéologique, et archéologique dans le sens de repérer dans des passés récents d'une certaine ère théorique de la recherche sémiolinguistique, grosso modo l'ère inspirée aux recherches de la sémiotique catastrophiste de Thom et Petitot d'un côté et de la théorie des opérations énonciatives d'un point de vue de l'autre, je répète, de repérer dans ces domaines de recherche des conseils clés, tel que celui des compositionnalités gestaltistes, par exemple, et faire, comme l'on dit, le point de la situation. Mais bien évidemment, et en disant ça, je viens en conclusion, ce que je viens de dire est seulement une portion infinitissimale de questions et des enjeux théoriques dont s'occupent les essais recueillis dans Language and Complexity. En effet, il y a toute une partie du livre qui est dédiée à questions, comment dirais-je, de caractère expérimental qui porte sur les rapports entre sciences cognitives et sciences des systèmes complexes, à propos de laquelle parlement, je ne dirai rien ici, mais dont, comme j'espère, on pourra discuter une autre fois, ou déjà à partir de la discussion qui s'ouvrira après l'intervention de mon collègue Yannick Robert-Comte. Merci. Est-ce qu'on préfère qu'on fasse les deux interventions et après on discute? Ok. Donc je passerai la parole à Pietro. Pietro Bertrand, qui est professeur à l'université de Messina. Il est notamment auteur d'un nombre considérable d'ouvrages et d'articles. Ses intérêts ont porté en particulier. Bon, il a commencé avec une thèse sur l'histoire des théories linguistiques, sur la direction de Jürgen Trabant et je me suis rendu de ton jeu, ça date très longtemps. Et depuis une vingtaine d'années, il s'occupe en particulier de sciences cognitives, les rapports entre sciences cognitives et philosophie de l'esprit. Il a focalisé beaucoup ses intérêts sur deux thématiques en particulier, le mind reading en particulier, le premier, auquel il a consacré deux ouvrages. Et problème de conscience et autoconscience. Je mentionne entre ces ouvrages les plus récents, Cochet, édition Il Mouline en 2011, Auto. Merci beaucoup à vous aussi. Just a moment. Let's take into consideration the case of animal mental content. Just because it's a
a more dramatic case of the mental state attribution in the human case. According to me, it's just a difference in degree. But in the case of animal kingdom, le statut des unités lexicales, le statut de la compositionnalité, si tu veux, le changement paradigmatique et de la complexité en totalité, et en particulier avec le gestaltisme sémantique chez Victor Lee, Fuchs, etc., et aussi le statut de la syntaxe. Bon, j'avais la première question qui m'est à cœur, parce que moi j'étais inséré plutôt dans cette partie. Je partage totalement ce que tu as dit, je me pose la question. La première question que je me pose est où tu vas placer dans ce contexte tout ce qui est lisible en termes de mémorisation lexicale, de thésaurisation, réutilisation, et comment tu vas remodéliser, s'il est possible, est-ce que nous avons des outils théoriques? On pourrait dire déjà que la notion d'encyclopédie Schoenberg de Gaulle, l'horizon dans la philosophie de l'Asie, on a déjà des outils, mais est-ce qu'on a des outils en termes de modèle théorique de représentation, par exemple dans la théorie de catastrophe, même s'il s'agit d'une grande théorie de la signification, on n'en a pas, est-ce que tu trouves qu'on puisse avoir déjà une piste sur cet élément-là? Et je te pose ces deux questions parce que l'analogie du phénomène et l'accompagnement que l'analyste peut faire. C'est tout le contraire, si tu veux, d'une perspective complexe, c'est un minimalisme épistémologique qui se pose, et moi je voulais savoir si tu avais des avis là-dessus, quelle est ta proposition, ta réponse. Voilà, alors je suis entièrement d'accord à ce qui concerne la proposition générale des observations, et je dirais tout d'abord deux choses. Première chose, en ce qui concerne la question de la mémorisation lexicale, alors, à ma connaissance, là, je ne trouve pas des intuitions modélisantes au sens fort du terme modèle, évidemment, mais je trouve des intuitions au niveau imaginaire, je m'explique. Je pense par exemple d'un côté au programme de recherche qui est connu nous, et sous le nom de grammaire inactive, et je pense en particulier à Didier Bottinon, et à l'idée d'une mémoire lexicale qui est liée d'un côté à l'aspect sensible corporel de l'activité de langage. Les unités lexicales, au sens de Bottinon, sont des unités d'action vocale, et l'une des caractéristiques essentielles des unités d'action vocale est la réplicabilité. Et une unité d'action vocale réplicable est en gré, est en mesure d'avoir une mémoire, au sens que le potentiel d'action de l'unité lexicale même est indissociable de sa réplicabilité et en particulier est indissociable de ressources, comment dirais-je, sémiopoïétiques des unités lexicales qui sont liées aux ressources sensibles corporel de réplicateur, c'est-à-dire du sujet parlant à l'interaction dialogique. Donc, première remarque. Et deuxième remarque, et en ce qui concerne l'observation relative à la théorie de catastrophe et à la question relative à une modélisation locale, que en tant que locale, c'est insuffisant, bien évidemment. Mais ça, c'est le problème. Au niveau actuel, il y a seulement, à ma connaissance, des modèles locaux. Et il faut trouver une démarche théorique qui nous amène du local au global. Mais ça, c'est l'enjeu théorique. L'enjeu théorique est poser les conditions de détermination épistémologique, si tu veux, phénoménologique, du passage du local au global. Mais c'est l'enjeu théorique, à ma connaissance.
Et si je peux dire aussi, je trouve de ce point de vue une liaison très significative entre la proposition théorique de grammaire inactive de Bottineau et certains développements de la pragmatique, oui, la pragmatique anglo-saxonne, mais c'est une pragmatique, comment dirais-je, hétérodoxe. Je pense surtout aux travaux de Istvan Keskes et à l'idée d'encapsulement contextuel, c'est-à-dire l'idée que chaque mot, chaque unité lexicale, d'un côté, est en mesure d'interagir dans la situation de discours avec une autre unité lexicale, mais de l'autre, est en mesure aussi de créer la situation de discours même. Et pour quelle raison? Parce que chaque unité lexicale a, comment dirais-je, des ressources sémiopoétiques qu'elle hérite d'autres situations de discours. Donc, comment dirais-je, une sorte de prédiscours, ou si tu veux, de conditions de discours préliminaires qui interagissent. Je rebondis juste à votre question. Et à ce propos, alors, je te pose une question qui est terminologique, mais oui. Ce séminaire a aussi l'enjeu de réfléchir sur les vocabulaires. Et est-ce qu'on a vraiment besoin, vu cette conception qui est strictement internationale des unités et contextualisante, si tu veux, on a besoin vraiment de continuer à parler de, en termes de potentiel. Parce que le terme potentiel, nous savons, ouais, ça c'est une polémique ancienne. Bon, déjà, rappelle à en sorte de noyau de sens, en quelque sorte, en transac, et bon, moins depuis la tradition aristotélicienne, même sinon, la potentialité, c'est quelque chose qui est en quelque sorte préinscrit. Donc, je me pose juste la question si on devrait plutôt penser, tu sais, moi je pense plutôt en termes de transposabilité sémantique, donc je ne me cache pas, et voilà, c'est ma grande objection à la proposition. Mais écoute, c'est une vraie question, comme tu disais, et je trouve qu'il faut s'entendre à propos du terme potentiel. Alors, je peux avoir une conception, comment dirais-je, immanentiste du potentiel, au sens que le potentiel s'est inscrit dans le monde. Et alors, ça c'est une conception qui pose des problèmes, qui est problématique. Mais on peut avoir aussi une conception, comment dirais-je, transactionnelle du potentiel. Et de ce point de vue-là, je ne trouve pas une contradiction. Et ce qui me frappe beaucoup dans la terminologie, par exemple, du Marie Bizetti, tu sais mieux que moi, toujours dit, hein, le motif, ce n'est pas un potentiel de sens. Mais, dans toute une théorie de forme sémantique, lorsqu'il dit le motif, c'est un germe, c'est un potentiel. Alors, il faut s'entendre, il faut se mettre d'accord. Alors, je dis, il faut distinguer entre une conception immanentiste du potentiel sémantique, et une concession transactionnelle du potentiel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, la première question était un peu d'évaluer la notion du potentiel que tu as déjà répondu. Et donc j'ai une petite question pour Christopher Kant. You talk about flesh and blood survival and life bodies. So, do you see a kind of relationship between intentional context and the debate on phenomenal concepts? Yes, of course. Maybe to right understand this relationship, we have to keep in our mind the question is on the I like very much what you said on intractability and the fact in a sense that all real processing or tasks we deal with are kind of approximation of intractable ones most of them. So you said that
in a sense, the implicit knowledge or maybe implicit belief is in charge with determining the level of information that you want to get from the task or the processing that you will have, and to assess, in a sense, the level of resources you want to put on this task. Well, in a neuroscientific view, which kind of system or network would be in charge of this assessment? Thank you very much for this question. I talked about the notion of the attractor, and I tried to demonstrate in which sense this notion can reveal the variety application in of applications in a certain domain of science of language. For example, the description of lexical polysemy. So, from this point of view, you can have a description, a formal description, but a formal description necessitates. Yes. a computational level, and a quantitative treatment. So, that's my yes, the need for the book we are discussing right now arises from. A concern, a theoretical concern. Complexity account is very fascinating, of course. Very fascinating. It's able to suggest people that there is another way to deal with the most of the hard problem in the scene, in the scientific scene, and cognitive science and so on, because it seems more flexible than standard and mainstreaming approaches. More flexible, one don't need to choose between universality or not, and so on. The usually issues in the debate in the literature, but I am not sure that the state of the art in complexity account literature is really able to solve to deal with the problems. For many reasons. The first one is that complexity. J'insiste sur la notion du diagramme et sur la nécessité de travailler ces notions parce qu'elles donneraient, à mon avis, une approche qualitative, bien évidemment, dans la description de Flanager. Je pense en particulier à la démarche théorique de la théorie des opérations prédicatives et énonciatives d'un point de vue. Et pour ce qui concerne l'usage de toute une série d'instrumentations d'ordre topologique. Et Lully a toujours répété cette approche naïve, presque naïve, mais le point de force de cette approche naïve, c'est de donner des diagrammes au sens de scénographie qui permet de décrire, par exemple, le travail énonciatif de l'interlocution. Je pense par exemple, ça c'est de la peinture, non?
un exemple fétiche de la théorie des opérations énonciatives de Bruni. Bon, l'énoncé, ça c'est de l'empreinture, peut-être diagrammatisé par une sorte de quasi-topologie qui prévoit un intérieur, un extérieur, un centre attracteur et en correspondance de ces centres attracteurs, on peut avoir une diagrammatisation de l'énoncé. Ça c'est de la peinture, ça c'est pas vraiment de la peinture, on est dans la frontière, mais la frontière c'est pas une limite au sens de la topologie classique, c'est une frontière avec une frontière épaisse. Donc, qui prévoit de distinction qualitative entre une frontière inter, ça, c'est ça. Merci. Non, mais,